Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 concernant le chapitre calcul vectoriel. On a soit ABCD en parallélogramme E et F des points tels que DE égale à 5/2 DA, CF égale à 2/3 DC. Montrez que BE égale à 3/2 DA moins AB. Montrez que BF égale à 2/3 DC plus BC. Deuxièmement, montrez que 2BE plus 3BF égale vecteur nul. On déduit que BE et F sont alignés. Alors, maintenant, on a parlé du grand ABCD. Mais le consortiement, on va dire le hasard. Je vais te faire le même. Les données, on a DE égale à 5/2 DA, CF égale à 2/3 DC. Donc, le parallélogramme, c'est quoi? On a AB égale à DC, BA égale CD, AD égale à BC, DA égale CB. Donc, qu'est-ce que c'est que ce que je vais faire? Je vais faire l'exercice direct. Premièrement, montrons que BE égale 3/2 DA moins AB. Donc, quand on BE, on se met le nettoyage. Le vecteur BE égale. Donc, voilà, on va la relation de Charles. Donc, on va faire le D, on va faire BD plus DE. BD plus DE. DE égale 5/DA, on va faire le. C'est bon? Donc, égale à BD plus DE. Égale BD plus DE, c'est 5/2 DA. Donc, il y a une DA DNA. Donc, ça sera AB. Donc, je crois qu'il y a AB, ça sera le A. BA, il y a moins AB. Donc, selon la relation de champ, il y a A, il y a BA. Plus AD plus 5/2 DA. Donc, il y a une DA, une AD ou une BA. Nous avons une chose qui est égal à AB. Nous avons BA. Donc, BA c'est moins AB plus AD. Nous avons AD, nous avons DA. Donc, à l'indéro, moins DA. Ça fait que c'est plus. Plus 5/2 DA. Donc, égale moins AB. Allez, c'est 5/2 DA. Moins DA. Et ça dit plus moins, c'est moins DA. Je dirais que la soustraction, c'est le même dénominateur, il y a 2 sur 2. Maintenant, 1, il y a 2 sur 2. Je vais 5 moins 2, c'est 3 sur 2. 5 demi moins 2 demi, c'est 3 demi. Donc, plus 3/2 DA. Donc, soit qu'il y a 3/2 DA, il y a 3/2 DA. Moins AB. Allez, BE. Donc, nous montrons que BF, montrons que BF égale à 2/3 DC plus BC. Alors, nous BF égale, donc, DC ou BC. Donc, je connais la BC, déjà il y a un ancien comme BC. Donc, égale BC plus CF. Égale BC, il y a le brinaille. Plus CF. CF, c'est 2/3 DC. Donc, il y a BF en fonction de DC et BC.
برو دو تيار دي سي بحال من هنا تيار دي سي بلس بي سي هادي بي اف دوزيامون مونطرون كو دو بي او بلس 3 بي اف égale vecteur nul. Adna de BE plus 3BF. Donc BE adna, BF adna, BE chalia. Donc c'est deux facteurs de BE. BE c'est 3 demi DA moins AB plus 3 fois BF. BF, c'est 2 tiers DC plus BC. Donc, égal 2 fois 3 sur 2. Et 2 fois 3, 6, divisé par 2, c'est 3. Donc, on développe. Donc, c'est 3 DA. 2 fois moins AB, c'est moins 2 AB. Plus 3 fois 2 sur 3, et 6 sur 3, c'est 2 DC. 3 fois BC, c'est 3 BC. Donc, à 3 DA moins 2 AB, plus 2 DC. DC égale à AB. Donc, voilà, maximum DC, maximum AB. Plus 3BC. Voilà, un xbo BC, un xbo AD. Alors, est-ce que tu es entre parenthèses parce que ABC. parce que ABCD est un parallélogramme. C'est bon? Donc, égal. Elle dit 2AB moins 2AB plus 2AB. 2AB moins 2AB, c'est 0. Maintenant, 3DA. Plus AD. 3AD. Il s'agit de DC adéna de AB au BC égale à AD. Donc 3AD. Égale 3DA. C'est-à-dire 3DA, je m'en voulais, moins 3DA. C'est AD adéna de AD, ça dit le moins. Donc, égal vecteur nul. Donc, on déduit que BEF sont alignés. BEF sont alignés. On a trois points. On a deux BE plus 3 BF. On a égal vecteur nul. Donc, 2 BE. Elle est de la déjà tous les moins 3 BF. C'est bon? Après, on a BE. On a de la déjà. On a une multiplication tous les moins 3 sur 2. BF. Donc, il y a l'article BE. BF sont collinéaires. Puisque on a les 3 points, on a une B, on a B. Donc, il y a une fois la même droite. Donc, les 3 points. BE et F sont alignés.